soir. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Attention, je ne veux pas d'accident. Bien sûr. Bien sûr, monsieur. Tu dois m'appeler monsieur. Tout le temps, tu as bien compris. Oui. Monsieur. Oui, je comprends très bien. Oui, je comprends, monsieur. Oui. Non, monsieur. Bien sûr. Oh, ça va me rendre fou. Je vais devoir améliorer l'interface nerveuse. La bonne nouvelle, disons la meilleure, c'est que ça marche. Vous m'écoutez tous. Pas aussi bien que vous le devriez. C'est toujours le même problème, n'est-ce pas? Personne n'a jamais voulu écouter ce brave Jervis. Il aurait tout aussi bien pu être lui. Mais maintenant, maintenant, vous allez tous m'écouter, parce que vous n'aurez pas le choix. J'espère qu'Alice se fait à cet endroit. Nous allons avoir de la visite. Oh, comme c'est joli. Oh, je devrais me préparer pour l'arrivée de mon invité. Nous allons avoir de la visite. J'espère qu'Alice se fait à cet endroit. Oh. C'est merveilleux. C'est vraiment un honneur de faire ta... Où est la fille? Qu'est-ce que tu veux dire? Alice. Excellent. Alors tu sais pourquoi tu es ici. Mais de quoi est-ce que tu parles? Non, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris finalement. On va y remédier. Tic-tac, gare à l'horloge. Qu'est-ce que... Bienvenue au pays des merveilles, Batman. Oh, c'est là que j'ai rencontré Alice pour la première fois, tu sais. Ah, quelles belles aventures on a vécues. Mais ensuite, ils me l'ont enlevée. Ma pauvre petite Alice, seule et perdue. Je devais la retrouver, je devais la ramener, alors je l'ai fait. C'était un sacré voyage, tu peux me croire. Mais la revoici, saine et sauve, près de moi. Non. Les reines sont partout, ils conspirent pour la reprendre. C'est pourquoi je t'ai fait venir ici. Pour protéger Alice, qui peut-on trouver de mieux que Batman ? Thank you.
dirait que tu as perdu tout sens de l'orientation. Où est l'entrée? Où est la sortie? Ciel! Oh, flûte! Par où dois-je aller? N'est-ce pas? Tes pensées deviennent lourdes. Tu as du mal à garder le contrôle. Bientôt, Batman. Bientôt. Allez, on se reprend. Tout n'est pas que fleur et thé par ici. En fait, le pays des merveilles cache de vilaines créatures. Il fait ressortir le meilleur et le pire de chacun. Ne t'en fais pas, Alice est entre de bonnes mains. Un peu de thé, Alice. Ne me touchez pas! Seigneur, on dirait que quelqu'un a oublié son savoir-vivre. Vous êtes dingue! Pas dingue, Alice! Fou! Il y a une différence, ma chère. Laquelle est-ce? Je m'en souviens pas. Tu peux me voir. Pourquoi je t'ai fait descendre ici? En fait, j'ai développé un appareil merveilleux. Il permet de se faire obéir. Sur les esprits faibles, il fonctionne très bien. Colle ma création sur leur tête et, comme par magie, ils obéissent tous. Sur les individus plus forts, cependant, cela requiert de la persuasion. Et cela, mon ami, nous amène à notre affaire. Tu es mon Humpty Dumpty, Batman. Ton esprit tombe en miettes. Et quand je recollerai tous les morceaux, alors tu seras à moi. Pour tous.
vois-tu que le temps bougeait dans 7 directions différentes ici? Mais tu es coincé dans l'une. En avant, toujours en avant. Oh, comme c'est rasoir. Pourquoi n'essaies-tu pas d'aller en arrière?
propriété est fichue. La table est retournée et les invités sont partis. Je crois que tu devrais partir. En fait... Aidez-moi! Il le peut, il le fera. Il faut juste qu'il parte. Il peut, il le fera. Il faut juste qu'il parte. Il le peut, il le fera. Il faut juste qu'il parte. En fait... Tout va bien, vous êtes sauvé. La police est en route, vous n'avez plus rien à craindre. Non, c'est faux.
À toutes les unités, si vous êtes en 10-10, merci de signaler pour une éventuelle mission. On avance. Sauvé, alors je te laisse partir, pour cette fois. Mais la prochaine fois, je t'embarque. Ne regarde pas comme ça. Je sais pas ce que c'est que de partager les rues avec ces ordures. Tournement de situation. Oh. Batman abandonne. Je crois que c'est la toute dernière fois qu'on se parle. Et ça, ça me ravit. Ton comportement d'enfant de cœur commence à m'énerver. Fais attention! C'est du vandalisme ce que tu fais. Tu rampes dans les conduits comme un rat d'égout. Rien d'étonnant.
tu vas pas y croire. Raconte. Batman est déchaîné. Écoute ça. Personne ne croira jamais. Super. Bon. Crois que je vais m'amuser. Selon le rapport de la police, la victime est morte d'un seul tir dans la poitrine. Mais qui l'a tuée? Et pourquoi? L'examen du corps devrait pouvoir m'éclairer. Owen Grant, un journaliste d'investigation. Il m'a interviewé l'année dernière. Il devait être sur un gros scoop pour être ici. Une sangle d'appareil photo autour du cou. Mais où se trouve le reste? Cette trace indique que la victime a tenté de fuir avant de succomber à ses blessures. L'analyse des taches indique que le tir venait d'en dessous. Grant a dû lâcher son appareil quand on l'a touché. La reconstitution devrait m'aider à le retrouver. À moins que le tireur m'ait devancé. Alfred. Monsieur ? Je vous envoie les données d'un appareil photo. Essayez d'identifier le sujet sur les clichés. Très bien, monsieur. Juste un petit instant. Ah,
Nous y voilà. C'est un certain Chucky Burks. Je vous envoie sa dernière adresse connue. Je vais te le faire regretter. La justice. Tu as tué un homme. Pourquoi ? Il allait dénoncer notre affaire de contrefaçon. J'avais pas le choix. On a toujours le choix. Alfred, dites au GCPD que Chucky Burks a été arrêté pour le meurtre de Wayne Grant. Envoyez-leur ma position actuelle, ainsi que les informations du dossier. Tout de suite, monsieur. À toutes les unités, si vous êtes en 10-10, merci de signaler pour une éventuelle mission. Yeah.
C'était rapide avec eux. Passe au fond. Ce sera bientôt qu'un mot. Qu'est-ce que c'est que ce dingue?
On a de la compagnie! J'ai pas de temps à perdre! Le voilà! Ça, on dit. Ouais, t'existes vraiment, non ?